Aujourd'hui, je vais vous montrer un thriller d'horreur de 2019, intitulé The Hole in the Ground. N'oubliez de vous abonner mes chers, un like et un commentaire. En Irlande, Sarah, mère célibataire, et son fils Chris emménagent dans une maison à la campagne pour commencer une nouvelle vie. En chemin, Sarah a failli heurter quelqu'un au milieu de la route avec sa voiture. Après s'être assurée que Chris va bien, Sarah va voir l'inconnu, qui s'avère être Noreen, une femme âgée qui n'arrête pas de chuchoter « ce n'est pas mon fils ». Noreen ne répondra pas aux questions de Sarah, mais lorsqu'elle se retourne pour regarder Chris, elle semble très effrayante. Sarah décide de ne pas prendre de risques, alors elle récupère simplement le rétroviseur cassé de sa voiture et s'en va avec son fils. Élever Chris seul n'est pas facile pour Sarah et parfois ils finissent par se disputer sur de petites choses comme les habitudes alimentaires difficiles de Chris, mais la plupart du temps, leur relation est solide. Sarah serre toujours Chris dans ses bras et lui dit qu'il l'aime, ils ont aussi leur propre petit jeu où ils font des grimaces pour se faire rire. Un jour, pendant le déjeuner, Chris crie parce qu'il trouve une araignée dans la cuisine. Sarah l'attrape et le relâche à l'extérieur, mais Chris n'aime pas cela car cela signifie qu'il peut revenir. En colère, il mentionne que son père aurait tué l'araignée, puis demande à Sarah pourquoi il n'est pas venu avec eux. C'est difficile à expliquer, alors Sarah dit simplement que c'est compliqué, ce qui rend Chris plus en colère, il marche sur l'araignée, traite sa mère de menteuse, puis court dans les bois. Sarah se précipite après lui, sentant le vent souffler plus fort à mesure qu'elle avance, et elle est choquée de trouver quelque chose d'assez incroyable et terrifiant à la fois, un très grand gouffre. Avant qu'elle ne puisse décider quoi faire, Chris apparaît derrière elle et s'excuse d'avoir évoqué son père même en sachant que cela la rend triste, alors Sarah le prend dans ses bras et l'emmène, ne voulant pas qu'il voie le trou. Plus tard dans la nuit, Sarah entend le grincement de la porte arrière, alors elle s'assure de la verrouiller avant d'aller se coucher. Chris commence à suivre des cours dans une nouvelle école, mais il a du mal à se faire des amis. Lorsqu'on lui donne un dépliant sur le concours de talents entrants de l'école, Sarah lui dit qu'il devrait s'inscrire car cela l'aiderait à se lier d'amitié avec ses camarades de classe, mais Chris reste hésitant. Plus tard, Sarah assiste à un dîner avec de nouveaux amis, dont sa patronne Louise, et tandis que tout le monde partage des histoires folles, elle découvre Noreen, considérée comme folle par tout le monde en ville. Un jour, il y a de nombreuses années, elle a fait irruption dans la classe de son fils, criant et faisant une scène. Il a fallu trois professeurs pour la traîner dehors. L'enfant a été transféré dans une autre école et Noreen a été envoyée dans un établissement psychiatrique, mais lorsqu'elle est sortie des mois plus tard, elle a écrasé son fils avec sa voiture. Personne ne sait s'il s'agit d'un accident ou d'un acte volontaire. Lorsqu'elle rentre chez elle, Sarah ne peut pas dormir, étant extrêmement consciente du vent qui souffle et de tous les grincements dans la maison. Soudain, une porte est claquée, alors elle se précipite hors de sa chambre pour vérifier Chris, mais elle ne le trouve pas dans son lit ni nulle part dans la maison. Sarah descend en courant et trouve la porte arrière ouverte, et son inquiétude lui fait prendre une torche et partir à la recherche du fils au milieu de la nuit. La forêt est sombre et effrayante à cette heure, donc Sarah n'y reste pas longtemps, dès qu'elle entend des bruits très étranges, elle retourne à la maison en courant et appelle la police. Cependant, elle raccroche lorsqu'elle se retourne soudainement et trouve Chris debout près de la porte de sa chambre en disant qu'il a été là tout le temps. Le lendemain, Sarah va voir un médecin, qui lui demande si elle a des antécédents d'anxiété et vérifie la cicatrice sur son front, une marque laissée par un accident survenu il y a un an. Le médecin décide de lui prescrire des sédatifs à prendre avant de se coucher. Une fois rentrée à la maison, Sarah est surprise lorsque Chris apparaît dans la cuisine une seconde après qu'elle l'a appelé, ce qui la rend plus sûre qu'elle a des problèmes d'anxiété, alors elle commence à prendre la pilule avant de se coucher. Le lendemain matin, elle se réveille et trouve Chris avec un bouquet de fleurs qu'il a apporté de l'extérieur. Après l'avoir réprimandé pour être parti alors qu'il n'était pas censé le faire, Sarah accepte le cadeau et le serre dans ses bras. La prochaine fois que Sarah choisira Chris à l'école, elle remarquera qu'il s'est fait un tas d'amis, dont un enfant qui se moquait de lui. Sur le chemin du retour, il retrouve Noreen sur la route, et elle et Chris ne peuvent s'empêcher de se regarder. Comme klaxonner ne fonctionne pas, Sarah sort de la voiture pour demander à Noreen de bouger, mais la retrouve en train de chuchoter. Cette fois, elle dit « ce n'est pas ton garçon ». Ils sont soudainement interrompus par le mari de Noreen, D, qui s'excuse auprès de Sarah de ne pas avoir mieux surveillé sa femme. Noreen profite de la distraction pour marcher jusqu'à la voiture et commence à frapper la vitre du passager en disant « ce n'est pas ton fils ». Elle va jusqu'à se cogner la tête contre la vitre pour essayer de la briser, alors Sarah ne perd pas de temps à s'éloigner alors que des attrape sa femme pour l'empêcher de les suivre, bien que Noreen n'arrête jamais de se débattre. Le lendemain, lorsque Sarah retourne au travail, la mort de Noreen est le premier sujet abordé par Louise. Sarah change de sujet pour parler de maternité, avouant qu'elle regarde parfois Chris et ne le reconnaît pas. En tant que mère de jumeaux, Louise lui assure que c'est parfaitement normal, juste une autre chose à laquelle s'habituer lorsque vos enfants grandissent si vite. Plus tard, Sarah assiste aux funérailles de Noreen chez elle,
où elle trouve des dizaines de miroirs accrochés dans chaque pièce. Pour aujourd'hui, cependant, ils ont été recouverts de tissu noir. Un des endeuils vient partager un verre avec elle, alors Sarah en profite pour demander pourquoi Noreen a dit que Chris n'était pas son fils. Des explique que c'est exactement ce que Noreen a fait, après le 8e anniversaire de leur fils, elle a commencé à voir de petits changements dans la personnalité du garçon et est devenue convaincue qu'il était un imposteur. Cependant, ce n'était pas Noreen qui avait tué le garçon, c'était Dee, qui ne l'avait pas vu dans l'allée. Les jours passent et Sarah fait de son mieux pour reprendre sa routine habituelle. En courant à travers la forêt, elle trouve la figurine d'action préférée de Chris sur le sol et décide de vérifier le gouffre, Dee où des chuchotements incompréhensibles peuvent être entendus. Plus tard pendant le déjeuner, Sarah est choquée de voir Chris dévorer avec enthousiasme le genre de nourriture qu'il détestait et décide de le confronter à propos du jouet. Chris n'y avoir quitté la maison, alors Sarah lui montre la figurine et insiste pour la vérité jusqu'à ce que Chris se fâche et lui pousse la table avec une force inhabituelle. Dee qu'il se rend compte de ce qu'il a fait, il s'excuse et va dans sa chambre. À la tombée de la nuit, Sarah entend des bruits étranges provenant de la chambre de Chris. Elle s'approche pour les pieds par le trou de la serrure et l'espace sous la porte, lui permettant de voir une scène alarmante. Chris se déplace à quatre pattes dans la pièce, il attrape également une araignée et se met à la manger. C'est trop pour Sarah, alors elle retourne dans sa chambre en courant, et quand Chris vient la voir, elle lui dit simplement bonne nuit comme d'habitude. Le lendemain, Sarah emmène Chris chez le médecin, qui ne trouve rien d'anormal lors de l'examen. En privé, Sarah explique que le comportement de Chris est en train de changer, mais le médecin est plus préoccupé par la santé mentale de Sarah et se demande si sa cicatrice a été causée par le père de Chris plutôt que par un accident. Par la suite, Sarah décide d'acheter une caméra vidéo qu'elle cache dans un mur de la chambre de Chris. Cette nuit-là, Sarah décide de ne plus prendre ses médicaments. Le matin, Chris continue de manger de grandes quantités de nourriture. Sarah s'excuse pour sa maladresse ces derniers temps, et Chris répond en touchant sa cicatrice, y insérant violemment ses doigts. Heureusement, cela s'avère être juste un cauchemar. Dans l'après-midi, Sarah va voir le concours de talent à l'école de Chris. Sa classe se produit en tant que chorale et la chanson qu'ils ont choisie parle d'un trou dans une tourbière. Soudain, la pièce devient sombre et tout le monde autour d'eux disparaît. Sarah se retrouve seule avec Chris sur scène, qui récite maintenant les paroles d'une voix sans émotion. Sarah s'enfuit du hall mais elle ne trouve pas non plus de porte ouverte pour quitter le bâtiment. Louise la trouve et lui demande ce qui ne va pas, ce à quoi Sarah répond que Chris n'est pas son fils. En parlant de Chris, il arrive à ce moment avec son professeur, alors Sarah s'enfuit à nouveau. Cette fois, elle parvient à quitter le bâtiment et à rentrer chez elle, où elle récupère la caméra vidéo pour vérifier les images. Ce qu'elle y trouve est plutôt terrifiant, alors décidant qu'elle aura besoin d'un deuxième avis, elle va voir Dee. L'homme l'accueille à nouveau dans sa maison et lui explique que tous les miroirs ont été suspendus par Noreen car seuls les miroirs peuvent révéler la vérité et qu'elle a toujours voulu être sûre que son mari était le vrai. Sarah lui montre la séquence disant que tout ce qui n'allait pas avec le fils de Dee arrive maintenant à Chris aussi, mais Dee ne veut pas admettre que son fils a eu un problème et jette la caméra par terre, la cassant. Dee refuse d'admettre qu'il a vu quoi que ce soit, mais il ne traitera pas non plus Sarah de folle. Sarah rentre chez elle pour récupérer la carte SD de l'appareil photo, et Chris l'attend déjà. Il n'aime pas être laissé seul, alors Sarah explique qu'elle a couru parce qu'elle ne se sentait pas bien, ce qui lui vaut un câlin de son fils. Plus tard pendant le dîner, il est révélé que Sarah a mis les sédatifs dans la nourriture de Chris, et maintenant une fois de plus, il mange un autre plat qu'il détestait. Une fois le repas terminé, Sarah demande à Chris de jouer à son jeu préféré, mais évidemment, Chris ne s'en souvient pas. Sarah lui dit qu'il n'est pas son fils, alors le métamorphe portant le visage de Chris grogne et l'attaque, la jetant dans la cuisine plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle soit assommée. Quelques minutes plus tard, Sarah se réveille pour trouver la créature la traînant à travers le sol pour enterrer sa tête comme c'était arrivé à Noreen. Heureusement, les sédatifs entrent alors en action et la créature s'évanouit, de sorte que Sarah ne soit pas recouverte de trop de saleté et parvient à s'échapper d'elle-même. Elle ramène Chris à la maison et le laisse au sous-sol avant d'utiliser le rétroviseur cassé pour vérifier son visage, révélant l'horrible manque de traits de la créature. Le monstre se réveille alors et attaque à nouveau Sarah, mais même avec plus de force, il lui est facile de repousser le corps d'un enfant. Alors que le métamorphe commence à émettre un cri démoniaque, Sarah monte à l'étage et verrouille la porte. Maintenant que la créature n'est plus sur son dos, Sarah peut se concentrer sur la récupération du vrai Chris. Elle attrape une lampe de poche et court vers la forêt, où elle s'approche du gouffre et le laisse l'avaler jusqu'à ce qu'elle tombe dans un tunnel souterrain. L'espace est très étroit, mais Sarah fait un effort pour y ramper jusqu'à ce qu'elle ressorte dans une caverne plus grande. Là, elle trouve un tas d'ossements humains, mais aussi un Chris inconscient qu'elle ramasse rapidement pour l'emmener avec elle.
À ce moment, Sarah découvre également qu'ils ne sont pas seuls, un groupe de créatures sans visage se réveille et se prépare à la poursuivre. Le tunnel est encore plus difficile à traverser en traînant un enfant, mais au moins cela signifie également qu'une seule créature peut y entrer à la fois. Ce métamorphe parvient à saisir le poignet de Sarah, lui permettant de copier son visage, mais Sarah le frappe avec sa lampe de poche jusqu'à ce qu'elle soit libérée. Une fois qu'ils sont sortis du trou, Sarah vérifie Chris et confirme qu'il est toujours en vie lorsqu'il se réveille. Ils se précipitent chez eux et Sarah s'approche de la voiture, mais les portes sont verrouillées. Après avoir laissé Chris à côté du véhicule, Sarah entre dans la maison pour récupérer ses clés et entend le faux Chris au sous-sol l'appeler. Il n'y a qu'une seule chose qu'elle puisse faire maintenant pour s'échapper en toute sécurité, elle met le feu à la maison avant de partir avec son fils dans la voiture. Plusieurs semaines plus tard, la mère et le fils ont commencé une nouvelle vie heureuse dans la ville. Sarah prend toujours des photos de Chris pour vérifier son visage, et leur nouvelle maison a des dizaines de miroirs sur chaque mur.